Dogola, Carlos Solé, Jazz Kennedy. À l'École supérieure de commerce, nous formons les professionnels du management. Salut à tous et à toutes et merci à vous de nous rejoindre. C'est parti pour un tour de l'actualité. 36 civils ont été tués, 3 blessés lundi lors d'une attaque dans des villages de la province du San Matenga dans le nord du Burkina Faso, annonce le mardi le gouvernement. Le lundi 20 janvier 2020, un groupe armé terroriste a fait irruption dans le marché de Nagraogo et a abattu 32 de nos concitoyens, brûlé le marché et dans son repli a abattu 4 autres au niveau du village de Alamo. Cette attaque a également fait 3 blessés selon le communiqué du gouvernement. Un deuil national de 48 heures allant du mercredi 22 janvier 2020 à 0 heures a été décrété suite à l'assassinat des 36 civils le lundi 20 janvier dernier dans la province du San Matenga. Durant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics et dans les représentations du Burkina Faso à l'étranger. Les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites, précise le décret. Et puis, suite à l'attaque de Barsalogo, le président du Faso a qualifié d'acte ignoble cette double attaque de Nagraogo et d'Alamo. Je présente mes condoléances et celles de la nation aux familles éplorées. Cette attaque abjecte et ignoble sur des populations civiles nous enseigne encore une fois de plus sur la cruauté de nos ennemis. Aussi, devrions-nous, dans un sursaut national et patriotique, réaffirmer notre détermination et notre engagement aux côtés de nos FDS pour venir à bout de ces forces du mal, a écrit Rochma Christian Kabore. Et puis en raison du deuil national de 48 heures décrété par le président du Faso le 22-23 janvier 2020 en mémoire des victimes de l'attaque terroriste du 20 janvier, le bureau national du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture cinétique suspend donc son mot d'ordre de sitting prévu le 22-23 janvier en signe de solidarité avec les victimes. Le bureau national du cinétique au nom des travailleurs des médias publics présente également par la même occasion ses condoléances aux familles de victimes éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le projet de loi portant institution de volontaires pour la défense de la patrie a été adopté ce mardi 21 janvier 2020 à l'unanimité des 124 députés votant à l'Assemblée nationale. Et on en sait un peu plus sur les cadres réglementaires où ils vont exercer. Le VDP est défini comme une personne de nationalité burkinabé, auxiliaire des forces de défense et de sécurité, servant de façon volontaire les intérêts sécuritaires de son village ou de son secteur de résidence en vertu d'un contrat signé entre le volontaire et l'État. Le recrutement des VDP se fait au niveau de son village ou de son secteur de résidence sur la base du volontariat subordonné à l'approbation des populations locales en Assemblée générale. Le groupe de volontaires pour la défense de la patrie bénéficie d'un appui financier pour son fonctionnement. Le volontaire reçoit une formation de 14 jours et un équipement spécifique, ce qui exclut des droits à la retraite. Voilà qui met un thème à ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. D'être un cadre de banque ou d'une compagnie d'assurance. Vous rêvez d'être un économiste ou un chef de projet. Alors, ça commence ici. Vous rêvez de faire carrière dans la communication ou le marketing. Vous rêvez de faire carrière en transport logistique ou en gestion des ressources humaines. Alors, ça commence ici. Eh oui, ça commence ici. Faites-vous former à l'École supérieure de commerce en cours du jour, cours du soir et en ligne par des enseignants chercheurs et accéder à des diplômes homologués par le CAMES. À l'École supérieure de commerce, nous formons les professionnels du management.